Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler séries. Et plus précisément pour vous parler des séries que j'aime vraiment beaucoup et qui, à mon sens, ne sont pas assez connues. Parce que oui, on parle souvent de The Big Bang Theory, The Walking Dead, Riverdale, La Casa de Papel ou encore Game of Thrones. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe aussi plein de séries qui sont géniales mais qui ne sont pas assez connues, malheureusement. Donc je vais vous en présenter 7. Bien évidemment, ça n'engage que moi, ce n'est que mon avis. La première série, c'est Hemlock Grove. Donc je tiens à préciser que je vous présente les séries comme cela, il n'y a pas du tout d'ordre. Donc la première, c'est Hemlock Grove qui s'est terminée malheureusement au bout de 3 saisons. Je ne sais pas pour quelle raison. Pour ma part, j'ai commencé à regarder cette série en 2015 sur Netflix, 2015 ou 2016, je ne sais plus. En tout cas, j'avais fait une vidéo entièrement dédiée à cette série où je vous donne vraiment mon avis bien détaillé, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Après, s'il vous plaît, soyez indulgente et indulgent parce que cette vidéo date quand même un petit peu. Cette série m'a fait connaître l'acteur Bill Skarsgård qui joue le personnage de Roman dans la série donc Hemlock Grove et qui a joué ensuite dans pas mal de films pas spécialement connus, et le dernier en date bien évidemment c'est la première partie de ça. Oui, il joue le rôle de Pennywise, hein, vous l'avez compris, j'aime tellement ce personnage, cette version de Pennywise. Et puis plus récemment encore, il a joué donc dans la série Castle Rock que je vous conseille très fortement. Donc voilà, c'est un acteur que j'aime beaucoup et que j'ai découvert grâce à la série Hemlock Grove. Donc cette série, c'est un mélange de épouvante, horreur avec un tout petit peu de thriller, enfin même beaucoup de thriller je dirais. Après, ce n'est pas à mettre devant tous les yeux parce que c'est un petit peu gore. Dans les bois de Hemlock Grove en Pennsylvanie, près de la série abandonnée des Godfrey. Donc Godfrey, c'est le nom de famille de Roman joué par Bill Skarsgård. Et donc dans ces bois, eh bien, est retrouvé le corps mutilé d'une jeune fille qui est sans vie. Et du coup, bah, une chasse à l'homme va s'en suivre puisque bah voilà, il faut absolument trouver le coupable. Mais est-ce que le coupable est un humain? Ça, c'est une très bonne question et je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup parce que l'intrigue est saisissante, parce que l'ambiance, elle est très pesante, sombre, elle est mystérieuse et gore aussi. Donc franchement, si vous êtes jeune, passez votre chemin. Et puis ce que j'aime aussi, c'est que cette série aborde les loups-garous et les vampires, parce que oui, cette série parle de loups-garous et de vampires, enfin de houppires. Mais sachez que vampires et houppires, c'est exactement la même chose. Je tiens vraiment à le préciser puisque dans ma vidéo sur Hemlock Grove, justement, on m'a dit que c'était des houppires et pas des vampires. Mais en fait, oupir, c'est donc le mot vampire en ukrainien, en russe aussi et en tchèque, mais ça veut dire vampire. Ce que j'aime en fait, c'est que cette série aborde les loups-garous et les vampires d'une autre façon qu'à l'eau de rose, même si j'adore quand ça parle de vampires et de loups-garous et qu'il y a de l'eau de rose dedans. Mais voilà, j'aime bien le fait que ce soit, voilà, qu'on retrouve une autre version des loups-garous et des vampires. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas le vampire et loup-garou, voilà, tout mignon. Non, là, c'est vraiment une autre facette. Et le casting est vraiment très bon parce qu'on a Bill Skarsgård, mais on a aussi Femke Jensen, qu'on retrouve dans les X-Men, qui joue la maman de Roman. Et vraiment, le scénario et les images sont vraiment efficaces. Et sachez que cette série est tirée du livre du même nom, Hemlock Grove, par Brian McGreevy. Et d'ailleurs, Brian McGreevy est dans les créateurs de la série Hemlock Grove. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai lu l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et par contre, encore une fois, ce n'est pas pour les plus jeunes. The OA, cette série, je l'aime tellement. C'est une série originale Netflix qui, pour le moment, ne contient qu'une seule saison. Mais la deuxième saison, je crois que le tournage est terminé, donc elle devrait voir le jour, je pense, en 2019. Et j'ai hâte parce que la première saison, je l'ai vue en l'année dernière, ou en 2016, donc j'ai tellement hâte de connaître la suite des événements. Prairie Johnson va réapparaître après 7 ans d'absence, puisque il y a 7 ans, eh bien, elle a disparu subitement. Et donc Prairie était aveugle. Avant de disparaître, elle était aveugle. Mais à son retour, 7 ans plus tard, eh bien, elle ne l'est plus. Elle a recouvré la vue. Mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 ans? C'est ce que vont tâcher de découvrir son entourage ainsi que donc la science et même le FBI. Cette série, qui est extrêmement intrigante, parle des EMI, des expériences de mort imminente. Donc en fait, pour vous expliquer très brièvement, après je suis pas hyper calée sur le sujet, une personne qui subit justement une EMI, c'est parce qu'en fait elle est décédée pendant un laps de temps et quelques temps après, elle revient à la vie parce que bah elle a été réanimée.
Et c'est vraiment une série qui est tellement intéressante, tellement bouleversante et extrêmement troublante. Et puis pour revenir sur le côté bouleversant, cette série m'a énormément touchée. Et je trouve que c'est assez poétique aussi au niveau de l'histoire, c'est un peu poétique, un petit peu onirique. Et ouais, franchement c'est une série déroutante que je vous conseille vraiment vraiment beaucoup sur un sujet extrêmement intéressant. Et c'est vrai que j'aimerais bien me documenter un petit peu plus sur les EMI. Et puis c'est vraiment une série qui est originale, qui change des séries. Et quand j'ai commencé le premier épisode, bah, je ne pouvais plus m'arrêter, je voulais toujours en savoir plus. Et j'ai terminé la première saison en très 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 peu de temps. Et puis aussi durant tout mon visionnage, et bien... Je suis passée par tellement d'émotions, en fait, contradictoires aussi, donc je suis passée par le doute, par la peur, par les interrogations, par l'espoir, par tout ça. Et franchement, ouais, c'est une série que je vous conseille qui est très atypique et qui est d'ailleurs, j'ai vu sur internet, qui est classifiée comme étant un ovni télévisuel et je suis entièrement d'accord avec cela. Pushing Daisies, qui date maintenant, puisque la première saison date de 2007. Et la deuxième saison, donc de 2008, et elle a été ensuite annulée, donc ça fait 10 ans. Ouais, le temps passe extrêmement vite. Cette série, en fait, je l'ai regardée, je crois bien, sur Energy 12, et je l'aimais vraiment, vraiment beaucoup, et quand j'ai su que bah, elle a été annulée, je me suis dit « Non, pourquoi ?» Depuis l'enfance, Ned sait qu'il a un don spécial. En fait, il peut très brièvement ramener les gens à la vie, en les touchant. Et dès qu'il les retouche une seconde fois, eh bien la personne bah, redevient morte, mais définitivement. Adulte, Ned est devenu un très brillant pâtissier et il passe son temps libre à aider son seul ami, un détective privé, et donc il l'aide dans ses enquêtes. Il ramène les victimes à la vie pour bah, en savoir plus sur leur décès et donc pour bah, aider dans l'enquête. Mais un jour, Ned va ressusciter son amour d'enfance. Et pour que cette dernière reste vivante, eh bien il ne doit plus jamais la toucher, parce que s'il la touche encore une fois, elle décédera définitivement. Donc du coup, eh bien il ne peut plus la toucher, et je ne vous en dis pas plus, voilà, il ne peut plus la toucher pour qu'elle reste vivante. Et mon avis, c'est que cette histoire est vraiment très originale, avec des personnages extrêmement, extrêmement attachants. C'est... Je dirais aussi une bouffée d'air frais quand on regarde cette série qui est très... Ouais, c'est une série qui est sans prise de tête. L'univers est totalement décalé d'une autre de par l'histoire et aussi de par les images, puisque visuellement c'est hyper coloré, hyper fun, et moi j'aime beaucoup. C'est bourré d'humour et de bonne humeur, et si vous avez un jour l'occasion de la regarder, franchement regardez-la, parce que vous allez passer de très 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 bons moments. Et dommage qu'elle ait été annulée seulement au bout de 2 saisons, parce que c'est vraiment un concept que j'aimais beaucoup. Big Little Lies, cette série pour moi c'était une évidence, il fallait que je vous parle de cette série dans cette vidéo, parce que c'est une série qui à mon sens n'est pas assez connue et qui le mérite vraiment. Qui mériterait d'être beaucoup plus connue. C'est l'histoire de 3 femmes, Madeline, Jane et Céleste. Madeline est jouée par Reese Witherspoon, Jane est jouée par Shailene Woodley et Céleste est jouée par Nicole Kidman. Oui, déjà, rien que ça, le casting est vraiment excellent et j'ai envie de dire que... Il n'y a pas que ces 3 actrices, il y a aussi d'autres acteurs qui sont vraiment top. Et donc ces 3 femmes-là vont se lier d'amitié puisque bah, leur enfants vont et dans la même école, sauf que un jour eh bien elles vont être liées à un drame qui s'est déroulé durant la soirée parents-élèves à l'école. Il y a eu un meurtre, sauf que depuis le début on sait qu'il y a un meurtre, mais on ne sait pas qui a tué la personne et on ne sait pas non plus qui est la victime. Et après donc toute l'histoire se passe eh bien avant les événements de cette soirée, donc la rencontre entre les 3 filles, etc. Et par moments, il y a des interrogatoires de personnes bah, pour l'enquête, de d'autres personnes qui connaissent de près ou de loin eh bien, les 3 femmes. Et je ne vous en dis pas plus, et c'est vraiment une série qui est déjà, en termes de scénario, géniale. Donc c'est une série qui est tirée de petits mensonges, je sais plus, grand secret, je sais plus du tout, par Liane Moriarty, et clairement c'est
Une histoire hyper originale, vraiment, au niveau montage, c'est extrêmement cohérent et visuellement, franchement, visuellement, les images de la ville, et puis ce grain, voilà, on a l'impression que les images sont un petit peu bleutées, enfin dans les tons froids, et j'aime vraiment, vraiment beaucoup, et puis scénaristiquement, et même au niveau dialogue, au niveau de tout ça, c'est... une série qui est top, 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 top de chez top, et qui en plus ça traite de plein de sujets hyper importants comme l'amour, comme l'amitié, comme les violences conjugales, le viol, le harcèlement, tous ces sujets sont traités et c'est vraiment une série qui est complète, qui a du caractère et qui devrait être, comme toutes les séries que je vous présente dans cette vidéo, beaucoup plus connu. Au départ, il ne devait y avoir qu'une seule saison, mais comme eh bien, les fans étaient contents de cette saison, eh bien, une deuxième est en préparation et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Et aussi, au niveau acteur, j'ai oublié de vous préciser, donc il y a aussi Alexander Skarsgård, le grand Ferrer de Bill Skarsgård, et puis dans la deuxième saison, il devrait y avoir Meryl Streep. Donc, vous voyez. The end of the fucking world, ou plutôt the end of the World, qui comprend pour le moment qu'une seule saison, mais la deuxième saison est en plein tournage, ou le tournage est terminé, bref, la deuxième saison devrait arriver courant 2019 et j'ai tellement hâte, un truc de fou. Donc c'est l'histoire d'un ado psychopathe, alias James, qui, ouais, c'est un psychopathe, clairement, puisqu'il aime bien repousser ses limites. Par exemple, il a la main brûlée parce qu'il voulait voir ce que ça faisait de mettre la main dans une friteuse, par exemple. Et donc là, son but, maintenant, c'est de tuer quelqu'un. Il va absolument tuer quelqu'un. Et il a jeté son dévolu sur Alyssa, une camarade de son école, et il veut absolument la tuer. Voilà. Sauf que Alyssa, elle, veut se lier d'amitié avec James pour s'enfuir de chez elle, voilà, pour vers une nouvelle vie, pour parce que voilà, c'est un quotidien qu'elle n'aime pas, donc elle veut absolument partir pour retrouver quelqu'un. Et donc, dans sa fuite, elle veut emmener James pour qu'il lui tienne compagnie. Sauf que James veut la tuer, mais en même temps, il va y avoir tellement d'obstacles sur leur chemin que c'est un truc de fou. Et à chaque fois, on se dit non. Là c'est bon, il peut pas arriver des choses pires que ça. Sauf que dans l'épisode d'après, c'est encore pire, et ainsi de suite, et la fin est juste... On reste comme ça, on se dit mais... Comment ça peut être possible? Hein? Comment je vais faire pour survivre avec ça, avec cette fin? C'est une série qui est captivante, qui est très décalée, et qui est vraiment originale, et elle cache vraiment un énorme potentiel avec... énormément de charme, j'ai envie de dire, avec un très bon casting, avec des acteurs qui sont un peu antipathiques mais hyper méga attachants, et donc ça c'est grâce justement au jeu convaincant des acteurs. Le scénario, voilà, c'est très original et c'est bourré d'humour noir et de gore aussi, donc c'est pas à mettre devant les yeux des plus jeunes, ça c'est sûr et certain. Dirk Gently, détective holistique, qui malheureusement s'est arrêté après deux saisons. La deuxième saison est sortie là en début d'année, sauf que en juin on a appris que la saison 3 n'allait pas avoir lieu. Donc cette série, eh bien c'est l'histoire de Dirk, un détective qui est... amateur mais aussi très excentrique et qui se dit détective holistique. Alors franchement, pour vous expliquer ce que c'est, en gros, everything is connected, comme ils disent souvent dans la série, tout est connecté, tout a un lien. Mais après je ne peux pas vous en dire plus parce que clairement, regardez la série, hein. Et donc Dirk va être aidé de son assistant Todd. Todd à la base c'est un... donc il est joué par Elijah Wood, notre très cher Frodon Sacquet, n'est-ce pas? Avant d'aider Dirk, eh bien Todd était groom en fait dans un hôtel. Sauf que dans son hôtel il va se passer un crime assez important, un petit peu... enfin très mystérieux et très périlleux, j'ai envie de dire. Et du coup les deux vont se mettre sur la trace de celui qui a commis ça. Sauf qu'il va y avoir plein de choses qui vont se mettre
sur leur route, et puis aussi ils vont découvrir des choses qui dépassent l'entendement. Bref, je ne vous en dis pas plus. C'est une série qui est très, encore une fois, atypique. J'ai envie de dire que toutes les séries que je vous présente sont très décalées, très originales. L'univers de cette série est complètement déjanté, complètement barré et loufoque, et les personnages aussi, mais ça les rend aussi très 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 attachants. Et comme ces personnages, j'ai envie de dire que cette série a énormément de charisme et de potentiel, mais malheureusement elle a été annulée. Et comme The OA, j'ai envie de dire que cette série est un ovni télévisuel, ni plus ni moins, avec beaucoup d'humour. Par contre, si par exemple vous êtes comme moi, moi je l'ai regardé en version française pour une fois, j'ai une fois eu le malheur de faire autre chose, je sais pas, écrire ou je ne sais quoi en même temps, et je comprenais plus rien. Voilà, donc c'est vraiment une série où il faut être entièrement calé sur elle, sinon vous allez plus rien suivre. Et cette série est tirée d'une saga de livres par Max Landis, si je ne dis pas de bêtises, qui a donc aussi créé cette série. I Zombie, qui commence à être de plus en plus connue. En même temps, elle a quand même 5 saisons à son actif et elle est toujours en cours. C'est l'histoire de Olivia Moore, qui est surnommée donc Liv dans la série, et c'est une étudiante en médecine, sauf que lors d'une soirée, eh bien, elle va se faire griffer par un zombie et elle va donc devenir un zombie. Et donc à partir de là, elle veut qu'une seule chose, manger des cerveaux, manger des cerveaux, manger des cerveaux. Donc pour cela, elle va devenir l'assistante d'un médecin légiste, et bah voilà, pour pouvoir manger des cerveaux d'humains morts, bah sans être obligée de tuer des humains en fait. Sauf qu'en mangeant son premier cerveau, elle va s'apercevoir qu'en mangeant le cerveau de la personne, elle va avoir des souvenirs de cette personne qui est donc décédée, et avoir des flashs par exemple de son assassinat. Et donc c'est là qu'elle se dit, mais pourquoi pas aider la police? Donc elle va aider le détective Clive Babineau. Pour le détective, elle se dit médium, bien évidemment, elle va pas dire que c'est une zombie et qu'elle mange les cerveaux pour avoir ces visions-là. Donc elle se dit médium, et donc en mangeant à chaque fois les cerveaux dans son coin, sans le montrer à personne, eh bien elle va avoir des souvenirs de la personne décédée pour ensuite aider dans l'enquête de Clive Babineau. Et c'est vraiment une série qui est novatrice. On voit vraiment les zombies sous un autre jour. C'est pas le zombie à la The Walking Dead qui est genre comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Là c'est vraiment une autre facette des zombies. C'est un mélange en fait d'enquête policière, de zombies, d'amitié, de romance, tout ça en même temps. Et puis je trouve que c'est vraiment génial ce genre de série, parce que c'est comme Lucifer en fait. Ce sont des enquêtes policières avec une touche fantastique. Là, pour le coup, donc c'est des enquêtes policières avec la touche zombie, et puis pour Lucifer, c'est donc les enquêtes policières avec la touche le diable, alias Lucifer. Et je trouve que c'est vraiment une idée de génie. Et moi qui aime justement le côté fantastique, je trouve ça génial quand c'est mêlé à des enquêtes policières, parce que ça pimente un petit peu le tout, et c'est vraiment du génie. Et puis concernant cette série iZombie, ce n'est pas du tout une série cliché, il n'y a pas de cliché, c'est une comédie qui a énormément de mordant, sans jeu de mots, et puis les acteurs sont top et jouent vraiment très très bien les personnages, qui sont tous très attachants, surtout Olivia. Si ça peut vous intéresser, j'avais fait cette vidéo là il y a quelques temps maintenant, où j'avais reproduit le maquillage, enfin le look en fait d'Olivia, et j'avais aussi donné mon avis bien détaillé de cette série. Donc si ça peut vous intéresser pour en savoir plus, allez voir cette vidéo. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles séries dont vous n'avez jamais entendu parler. Sur ce, n'oubliez pas vous aussi de citer les séries que vous adorez et qui ne sont pas assez connues pour vous. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye !